Salut, salut, chers amis auditeurs. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire Passion Découverte. Émission animée par votre humble serviteur Rémia et page Facebook gérée par Regina. Vous nous écoutez en direct sur Passion FM 106.5 ou via le site www.radiopassion.fm. Pendant 60 minutes, on décortique un artiste en votre compagnie. Restez bien à l'écoute avec nous. C'est parti, les amis. Top. Nous les referons ensemble, nous les referons ensemble. Demain les vendanges de l'amour. Car la vie toujours rassemble, oui la vie toujours rassemble. Malgré tout ce qui se quitte un jour. Et le soleil du bel âge brillera après l'orage. Un beau matin pour sécher nos pleurs. Et ta main comme une chaîne viendra se fondre à la mienne. Enfin pour le pire et le meilleur. Referons ensemble, nous les referons ensemble. Demain les vendanges de l'amour. Car je sais que tu ressembles, oui je sais que tu ressembles. Comme deux gouttes d'eau à l'amour. Ma comparaison peut-être sur tes lèvres fera naître un sourire en guise de discours. Mais pourtant j'en suis certaine, ce soir autant que je t'aime. Oui ce soir tu ressembles à l'amour. Referons ensemble, nous les referons ensemble. Demain les vendanges de l'amour. Car la vie toujours rassemble, oui la vie toujours rassemble. Malgré tout ce qui se quitte un jour. Et le soleil du bel âge brillera après l'orage. Un beau matin pour sécher nos pleurs. Et ta main comme une chaîne viendra se fondre à la mienne. Enfin pour le pire et le meilleur. La 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 la. Bonjour et bienvenue en ce lundi, chers amis auditeurs. Aujourd'hui, une émission avec notre ami, hein, que vous commencez à connaître, notre ami Serge. Et ce sera déjà la deuxième émission de cette année avec Serge, puisque la première, pour rappel, hein, était celle avec les slow italiens, hein, qu'on vous avait passé en début d'année, parce qu'on trouvait que c'était un moment de partage et un moment d'amour en ce début d'année. Et puis là, Serge nous revient. Bonjour Serge, comment vas-tu ? Bonjour, bien. Ça va bien ? Tout va bien. Alors, tu nous as préparé aujourd'hui une émission avec une artiste que personnellement j'adore, parce que c'était une femme magnifique, déjà, très très belle. On parlait beaucoup de ses yeux à l'époque. Hein. Voilà, les yeux d'or, comme voilà, on disait. Voilà. On va parler de Marie Laforêt. Eh bien, merci déjà pour, comme je te le dis chaque fois, pour toute cette préparation, parce que Dieu seul sait que... Qui a du boulot là derrière, des recherches, etc. Et tu nous fais à chaque fois ce plaisir. C'est toujours un plaisir. Voilà. Marie Laforêt, en fait, est une actrice, chanteuse, auteure, compositrice. De son vrai nom, Maïtena Domenac. Après tout un temps s'être approchée de la religion et avoir envisagé de rentrer au couvent, elle fréquente avec sa sœur les cours Simon à Paris. Et après avoir gagné un concours Naissance d'une étoile où elle remplace sa sœur, sa carrière d'actrice commence. C'est dingue, hein. On l'a échappé belle, parce que si elle rentrait au cours de religion... Ouais. Ah, voilà. Non, mais comme quoi, tu vois, on dit parfois,
les choses de la vie, le hasard. Et regarde que, allez, c'est... Le destin vient tout changer. Ouais, c'est hallucinant, quoi. Après un premier film qui finalement ne sortira pas, elle tourne dans le film Plein Soleil avec Alain Delon et Maurice René, qui ne lui laissera pas un bon souvenir à l'époque, et tournera dans plusieurs films après, dont La fille aux yeux d'or. En 1963, l'occasion lui est donnée de sortir Les vendanges de l'amour, une chanson écrite par Daniel Gérard, que tout le monde connaît, qu'on vient d'écouter d'ailleurs. Hein. Voilà. Très vite suivi par Viens sur la montagne, ce qui la lance malgré elle dans une carrière de chanteuse qui au départ n'était pas prévue. Ouais. Je te propose de commencer en musique avec Viens sur la montagne, et alors suivi de La tendresse, une très jolie chanson de Bourvil. Ah ouais, ouais. Qui est très belle et qui est très très bien interprétée par Marie Laforêt. On écoute ça les amis. Ma maison, viens sur la montagne, là-haut il fait si bon. Pourquoi ces pleurs dans tes yeux? Viens avec moi, viens. Laisse ici ton amour malheureux, viens avec moi, viens. Viens, ma maison n'est pas loin, tout s'oublie, je suis là, prends. Je tiens, ne sois pas triste, il n'est pas trop tard. Viens avec moi, viens. Si tu veux bien, prends ma main. Laisse-moi, je connais le chemin. Viens, viens sur la montagne, là où il fait si bon. Viens sur la montagne, tout près du ciel, j'ai ma maison. Viens, viens sur la montagne. Sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment, vraiment. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Un enfant nous embrasse,
Et nous voici de retour, après avoir écouté donc, pardon, ces deux chansons. C'est voilà, voilà. Voilà. Petite anecdote, il faut savoir que Daniel Gérard, à l'époque, a écrit plusieurs chansons pour Marie Laforêt, dont « Les vendanges de l'amour », qu'on a entendu en début d'émission, et plusieurs autres, bien sûr. Vers 1967, elle sort « Yvan, Boris et moi », qui est un immense succès, ainsi que « Mon amour, mon ami », suivi en 1968 de « Calor la vida ». Marie Laforêt est à contre-courant des yéyés que l'on entend dans les années 60. Elle adore chanter, mais est très mal à l'aise en public. D'ailleurs, toute sa carrière, elle dira « Il y a moi, Maïtena Domenac et Marie Laforêt, qui pour elle est un produit, fait un disque et se vend ». Jusqu'au début des années 70, elle chante plutôt des reprises issues du sud-américain folklorique et des chansons écrites par elle. Je te propose d'écouter Boris, Yvan et moi et Calor la vida. Lorsque nous étions encore enfants, sur le chemin de bruyère, tout le long de la rivière, on cueillait la mirabelle sous le nez des tourterelles. Anton, Yvan, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Le dimanche pour aller danser, on mettait tous nos souliers dans le même panier, et pour pas les abîmer, on allait au bal à pied. Anton, Yvan, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Anton, Yvan, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Ça compliquait bien un peu la vie, trois garçons pour quatre filles, on était tous amoureux, toi de moi et moi de lui, l'une hier, l'autre aujourd'hui. Anton, Yvan, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Dire qu'au moment de se marier, on est tous allés chercher ailleurs ce que l'on avait à portée de notre main, on a quitté les copains. Anton, Yvan, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Anton, Yvan, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Aujourd'hui, chaque fois qu'on s'écrit, c'est qu'il nous vient un enfant. Le monde a beau être grand, c'est à peine s'il contient nos enfants et leurs parrains. Anton, Yvan, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi, Sacha, Sonia, David et moi, Dimitri, Yanni, Natacha et moi, Sacha, Sonia, David et moi, Dimitri, Yanni, Natacha et moi. Sur son ballon rouge fait bondir le soleil d'été. C'est si bon de ne pas penser. Calor, que calor la vida. Et nana sur son ballon rouge fait bondir le soleil d'été. C'est si bon de ne pas penser. Calor, que calor, la vie. La chaisière s'est endormie, c'est midi au paradis. Guignol a pris son bâton, le manège tourne en rond. Dans ce monde où tout bouge, dans ce monde où tout est rouge, le préfet joue du tambour, l'amour sera toujours l'amour.
ballon rouge fait bondir le soleil d'été. C'est si bon de ne pas penser qu'alors, qu'alors la vie. Bonjour madame et bonjour monsieur, le soleil ou l'amour vous ont fermé les yeux. Guignol a perdu la guerre, le préfet la chaisière, au paradis vont s'aimer, il vaut mieux n'y pas trop penser. Et Nana sur son ballon rouge fait bondir le soleil d'été. C'est si bon de ne pas penser calor, calor la vida, 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 calor la vida. En 1969, elle chante à l'Olympia et à Bobino, suivie de plusieurs grandes salles parisiennes. Il faut savoir que de 1968 à 1972, Marie Laforêt tourne dans le monde entier, que ce soit au Portugal, en Argentine, en Roumanie, en Pologne, au Liban, au Tchad, au Brésil, Congo, Espagne, Italie, Russie. Excusez du peu. Hein. C'est incroyable. En parlant de la Russie, j'ai une petite pépite pour nos auditeurs, une chanson où Marie Laforêt chante en russe, qui n'est jamais sortie sur aucun vinyle, et qui n'existe juste une bande publique qui existe. Je pense que ce serait sympa de la faire écouter. Ouais, je te propose de passer... Je te dis pas le nom en russe. Ah oh, si, c'est ce que j'entendais impatiemment, en fait. J'essaye de le lire, hein, et... C'est Konchonolita, voilà. Konchonolita, quel confesseur, incroyable, on écoute ça. Ничего не надо, ты не смотри на меня.
Ouais, donc on entendait en fait que cette chanson, comme tu l'as dit, ne se trouve nulle part, que c'est un live. Encore une fois, j'en sais rien, c'est juste une question que je te pose. Tu penses qu'elle a appris la chanson uniquement à l'audition, ou bien qu'elle a appris à mon avis, comme la plupart des artistes à l'époque, elle a dû l'apprendre en phonétique pour l'émission où elle est passée, quoi. Ouais. Mais ici, je pensais la mettre pour les puristes, pour les collectionneurs. Non, je trouve ça super. Je pense que c'est. Mais comme quoi, pour les j'adore parce que pour les puristes, les collectionneurs, pour les gens comme toi, s'ils sont passionnés. Mais oui. Parce que personnellement, tu vois, chaque fois que tu viens, tu me fais découvrir des choses. Et je ne savais pas ça. Je ne le savais pas. Donc, si moi, je ne le sais pas, je pense qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui ne sont pas au courant non plus. Et c'est magnifique ce que tu fais parce que. Allez, si tu m'avais dit. Est-ce que Marie Laforêt. Tu sais, je pense au quiz, là. Oui. Est-ce que Marie Laforêt chante en russe? Non. 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 Ah ben oui. Tu vois, c'est ça qui est hallucinant. On a beaucoup de surprises avec pas mal d'artistes. Et moi, le plaisir, c'est de le partager. Et voilà, c'est la petite pépite de l'émission. Ouais, merci. En 1972, suite à un ralentissement dans sa carrière, ses producteurs lui demandent de changer un peu ses goûts musicaux et de faire un peu plus populaire, pour répondre à un public beaucoup plus large. De ce fait, en 1973, sort le fameux « Viens, viens », « L'amour comme à 15 ans » ou « Le mal d'aimer ». Et à nouveau, le succès est au rendez-vous. Le mal d'aimer, l'amour comme à 15 ans sont les deux chansons que nous allons écouter maintenant. On écoute ça. Quand j'ouvre les yeux sur mon passé, tu es toujours là. Moi, je t'aime encore, malgré le mal que tu m'as fait. Je reste des heures à regarder ces photos de toi. Je les avais prises dans le grenier, il faisait froid. Toi, dans cette ville, tu vis sans moi et sans histoire. Et quand je suis seule, bien sûr que j'ai le mal d'aimer. Le mal d'aimer, je l'ai depuis ce jour où tu es parti en faisant mourir ma vie. Le mal d'aimer me restera toujours. Comment t'oublier? Rien ne peut te remplacer. Quand j'ouvre les yeux, ton souvenir est là dans mon cœur. Tu m'as tout donné de toi, le pire et le meilleur. J'ai fait accorder le piano droit. Hier, tu aimais. Sans toi, ce n'est plus qu'un tas de bois inanimé. Toi, dans cette ville, tu vis sans moi et sans histoire. Et quand je suis seule, bien sûr que j'ai le mal d'aimer. Oh, le mal d'aimer, je l'ai depuis ce jour où tu es parti en faisant mourir ma vie. Le mal d'aimer me restera toujours. Comment t'oublier? Rien ne peut te rendre. Depuis ce jour où tu es partie
les mots qui n'osent pas. Fais-moi les gestes qui hésitent. Étouffe-moi entre tes bras. Fais-moi l'amour un peu trop vite. Fais-moi l'amour comme à 16 ans. Et fais offense à ma pudeur avec tes larmes et des serments. Fais-moi l'amour, l'amour avec le cœur. Sois mon premier fruit défendu. Sois maladroit et moi docile, émerveillé, un peu ému. Collégien et moi, petite fille, fais-moi l'amour comme à 16 ans, fais-moi l'amour sans expérience, fais-moi l'amour timidement, comme un beau soir d'adolescence, fais-moi l'amour comme à 16 ans. Plein de candeur et d'impatience, et que mon cœur, un court instant, retrouve un peu de son enfance. Fais-moi l'amour comme à 16 ans, fais-moi l'amour sans expérience, fais-moi l'amour. Quand on écoute cette deuxième chanson, Fais-moi l'amour comme à 15 ans, elle le chante beaucoup plus doux. Tu vois ouais. ce que je veux dire ? C'est très sensuel ce qu'elle fait. Elle là. Vit. Ouais. Elle vit la chanson. C'est hyper sensuel. Tu sais, quand tu écoutes les autres chansons où elle crie un peu, là, elle est. Oh, t'as l'impression en fait qu'elle est dans le lit. C'est hallucinant. Comme quoi c'était une interprète fou. Comme quoi on peut être une grande actrice. En 1974, elle sort la très jolie chanson « Cadeau ». Quand on écoute cette chanson de Marie chanter, que ce soit « Viens, viens » ou bien « Cadeau », on sent cette émotion, elle vit ses chansons, elle pleure ses chansons. D'ailleurs, quand on écoute « Cadeau », la séquence émotion, elle est là, on le sent directement. C'est vraiment une émotion, on sent l'actrice qu'il y a derrière, pas uniquement la chanteuse, il y a l'actrice qui est derrière. Et enfin, moi, quand je le vois chanter ça, ça me prend parce que c'est une grande actrice. Je te propose, d'écouter Viens, viens et le fameux Cadeau. Cadeau. Qui, pour la petite parenthèse, tu vois, je me dis, on dit, la jeunesse actuelle. Cette chanson, je trouve qu'elle mériterait d'être reprise aujourd'hui sur un style peut-être un peu plus actuel pour que les jeunes l'écoutent, parce que, waouh, c'est le message est là, quoi. Parce qu'en fait, elle a affaire à un gosse capricieux, quoi. Ah oui. Et quand elle lui annonce, enfin à la fin de la chanson, quand elle dit « mais 9 mois de patience, etc. etc. », on se dit « waouh, ah ben oui ». Ouais. Et donc, je pense que beaucoup de jeunes devraient, ne fût-ce que pour réécouter sens de la chanson. Ouais, en fait, parce que c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. On écoute ça. Viens, viens, c'est une prière, viens. Viens, pas pour moi mon père, viens, viens, reviens pour ma mère, viens,
viens, aide-moi de toi, viens, viens, que tout recommence, viens, viens, sans toi l'existence, viens, viens, n'est qu'un lourd silence, viens, viens, qui n'en finit pas. Je sais bien qu'elle est jolie, cette fille, que pour elle tu en oublies ta famille. Je ne suis pas venue te juger, mais pour te ramener. Il paraît que son amour tient ton âme. Crois-tu que ça vaut l'amour de ta femme, qui a su partager ton destin sans te lâcher la main? Oh, viens, viens, maman, au septembre, viens, viens, repeins la chambre, viens, viens, comme avant semble, viens, viens, vous y dormirez. Oh, viens, viens, c'est une prière. Sais-tu que Jean est rentré à l'école? Il sait déjà l'alphabet, il est drôle. Et quand il fait semblant de fumer, c'est vraiment ton portrait. Oh, viens, viens, c'est une prière. Viens, viens, tu souris mon père. Viens, viens, tu verras ma mère. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier, je l'ai lu, et voici ce qu'il disait. Pour avoir fait mon lit toute la semaine, 3 francs. Pour avoir été aux commissions, 1 franc. Pour avoir surveillé le bébé pendant que toi tu es allé aux commissions, 1 franc 25. Pour avoir descendu la corbeille à papier, 75 centimes. Pour avoir remonté la corbeille à papier, 1 franc et 10 centimes. Pour avoir arrosé les fleurs sur le balcon, 25 centimes. Total, 9 francs et 85 centimes. Je l'ai regardé. Il se tortillait en mâchant son crayon. Et une foule de souvenirs sont revenus à ma mémoire. Alors j'ai pris son crayon, j'ai retourné la feuille, et voilà ce que j'ai écrit. Pour 9 mois de patience et 12 heures de souffrance, cadeau. Ooh.
tour de manège, les jouets, le collège, cadeau. Et quand on fait le tout, le total de mon amour, c'est cadeau. Quand il a eu fini de lire, il avait un gros chagrin dans les yeux. Il a levé la tête et a dit: Maman, je t'aime très beaucoup. Il a repris son papier, l'a retourné, et en grosses, grosses lettres, a marqué: cadeau. Et quand on fait le tout, le total de l'amour, c'est cadeau. En 1977, sort en hommage aux Beatles la fameuse chanson « Il a neigé sur Yesterday », qui sera un énorme succès, un de ses plus grands succès d'ailleurs. À partir de fin 1977, elle part s'installer en Suisse, où elle prend la nationalité et se retire de la chanson pour éviter la surmédiation, qu'elle n'aime toujours pas, et part écrire des livres. 1979, elle revient comme actrice pour jouer dans le film avec Jean-Paul Belmondo, Flic ou voyou. Ça se passe beaucoup mieux qu'avec Alain Delon au début, et elle tournera encore deux films avec Belmondo, plus d'autres films en France et en Italie. Il en était sur Yesterday, et la chanson que l'on va entendre maintenant. Ma donna à trembler.
Alors tu vois, on vient d'écouter donc cette chanson « Il a neigé sur Yesterday ». Et comme je te le disais en l'écoutant, en fait, je n'avais pas fait le rapprochement avec l'histoire des Beatles « Yesterday ». Et comme tu me le disais, en fait, cette chanson, c'est le temps a passé, le temps passe, ouais. Les années passent, les mois passent, et « Yesterday » pourrait être oublié, alors qu'en fait, même aujourd'hui, les Beatles, ça restera dans les annales. La preuve, leur dernier trick est sorti avec John Lennon, et est resté numéro 1 en Angleterre, meilleure vente de nouveau, donc il n'y a pas de miracle. Quoi. Ouais. Pendant cette période, peu de disques sortent, malgré une reprise des Moody Blues en 82, Blanche Nuit de Satin, ça ne marche plus très bien pour Marie. En 1988, Étienne Dao la contacte pour qu'elle sorte de nouvelles chansons, comme La Viva et Mamie à 100 ans. Mais comme Marie a un projet immobilier en Suisse, elle ne fera pas beaucoup de promos et le disque finalement n'aura pas de succès. En 1994, elle sort une compilation de 4 CD pour ses 30 ans de carrière et à nouveau le public et le succès est au rendez-vous. Je te propose d'écouter la chanson Vivre à deux, qui est une très belle chanson du début de la carrière de Marie Laforêt. Vivre à deux, pour un jour, pour un an, vivre à deux, quelques instants, vivre à deux, et oublier le temps, oublier tout simplement que je t'aime, sans raison. Je t'aime au-delà des saisons. Vivre à deux sous un ciel bien trop gris, vivre à deux. Malgré la pluie, vivre à deux, en rêvant de soleil sur nos matins sans sommeil. Et je t'aime, je t'aime, je t'aime sans raison. Et je t'aime. Et pouvoir effacer chaque jour tous nos regrets. Vivre à deux, c'est peut-être s'aimer simplement sans y penser. Je t'aime, je t'aime, je t'aime sans raison. Et je t'aime, au-delà des saisons. Et je t'aime, je t'aime sans raison. Je t'aime, au-delà des saisons. Ben, tu vois encore une chanson que je ne connaissais pas, voilà. C'est un texte magnifique, quoi. Et c'est vrai que finalement, je pense que quand on écoute son répertoire, en tout cas de ce que tu nous as amené aujourd'hui, il y a beaucoup de chansons qui sont profondes et qui sont finalement des messages à faire passer. Ouais. Ce qui est surtout dingue avec Marie Laforêt, c'est qu'elle avait un talent énorme. Mais en fond d'elle-même, elle n'avait pas cette confiance. Je crois qu'elle a toujours sous-estimé le talent qu'elle a eu. D'où son rejet du public. Enfin, pas le rejet du public, mais la peur du public, la peur du show business, d'être toujours un peu à part, quoi. Ouais. Dans les années 2000, elle sort quelques livres et apparaît dans plusieurs pièces de théâtre. Elle participe à une émission, on ne va pas se gêner, sur Europe 1, avec notre ami Laurent Ruquier, qui deviendra son ami.
et la poussera à remonter sur scène, ce qu'elle acceptera finalement en 2005, après 33 ans de son dernier Olympia. Et le public est de nouveau au rendez-vous. Pendant 15 jours, c'est complet, elle n'en revient pas. Suite à ce succès, une tournée est envisagée pour l'année 2007. Mais suite à des ennuis de santé, la tournée sera malheureusement annulée. Marie Laforêt nous quittera le 2 novembre 2019, emportée par un cancer généralisé des os. Elle repose au Père Lachaise. Il faut savoir que dans sa carrière, Marie Laforêt aura joué dans 38 films, 11 fois au théâtre, dans 14 séries et téléfilms, aura sorti 14 albums studio, dont un en Espagne, 4 au Portugal, un en Italie. Wow. Elle a toujours déclaré qu'elle n'était pas une artiste, mais un produit de vente. Quand on entend encore aujourd'hui ses chansons, je pense plutôt que c'était surtout une très très grande artiste. Je te propose de terminer en écoutant Les Vendanges de l'amour en version espagnole. Et si on a le temps, Harmonie. Ouais, ouais, on aura le temps. Alors c'est un peu marrant de dire ça, qu'elle disait donc qu'elle était juste un produit de vente, mais en fait c'est hallucinant parce que aussi bien au cinéma qu'en chanson. Le succès est là. Elle avait une présence. Elle n'a jamais renié. Hein. Bon, il y avait Marie. Elle a toujours dit Marie Laforêt. Elle aime bien parce que c'est ce qui la faisait connaître, c'est ouais. Ce qui la faisait vivre et tout. Ouais. Mais il y avait toujours cette timidité, cette peur du public, cette peur de la rencontre avec les gens qui l'a toujours habité finalement. D'où souvent ce retrait de par rapport aux autres artistes, quoi. Ce qui ne l'a pas empêché à sortir les plus belles chansons. Mais comment donc? Donc on écoute Vendange de l'amour en espagnol. Voilà. C'est génial ça. Olvidemos nuestro enfado, olvidemos nuestro enfado y volvamos al amor. Porque si no es a tu lado, porque si no es a tu lado, ¿dónde voy a estar mejor? En tus labios se divisa el nacer de una sonrisa que es preludio del perdón. Y ya cumplí mi penitencia, ten un poco de indulgencia, aunque tú tengas razón. Olvidemos nuestro enfado, olvidemos nuestro enfado y volvamos al amor. Porque si no es a tu lado, porque si no es a tu lado, ¿dónde voy a estar mejor? Ya no hay nubes de tormenta, sale el sol que nos calienta y fundo el hielo en nuestro corazón. Y de nuevo de la mano vamos al país lejano de los sueños de ilusión. Olvidemos nuestro enfado, olvidemos nuestro enfado y volvamos al amor. Porque si no es a tu lado, porque si no es a tu lado, ¿dónde voy a estar mejor? Ya no hay nubes de tormenta, sale el sol que nos calienta y funde el hielo en nuestro corazón. Y de nuevo de la mano vamos al país lejano de los sueños de ilusión. La 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 la. En écoutant cette version espagnole, j'ai le sentiment qu'elle est plus à l'aise que sur la chanson russe qu'on a entendue tantôt. En fait, on dirait qu'elle parle espagnol. Et donc, ouais. Et donc, c'est bien possible que... Mais je pense, je ne suis pas certain, mais je pense qu'au début de ses chansons, comme je disais dans l'émission, elle aimait surtout les chansons sud-américaines folkloriques.
elle avait plus une facilité dans ce style de chanson-là que les chansons qu'on lui a, entre parenthèses, imposées dans les années 70. Peut-être c'est dû à ça. Ouais. Parce qu'ici, elle la chante... On a l'impression qu'elle chante en français. Vraiment, ouais, tout va bien, elle ne cherche pas. Enfin, il n'y a pas de, voilà. Pas de recherche de mots, ni de, même au niveau de l'accent, je trouve que c'est. Et quand on écoute la même version en italien, c'est exactement la même chose. Elle est vraiment. C'est son style de chanson, en fait. C'est ça. Alors, tu nous as préparé donc, pour se quitter à la fin de cette émission, la chanson Harmonie, que je ne connais pas non plus. Ouais, que je ne connais pas, qui en fait elle est une de ses plus longues chansons puisqu'elle dure plus de 4 minutes. Oui, et qui est plus rythmée aussi. Alors que toutes les autres chansons sont relativement courtes. À mon souvenir, en Hollande, à l'époque quand c'est sorti, était numéro 1 dans les hits hollandais. Elle a fait plusieurs TV comme Top of the Pop et tout ça là-bas. Et ça a marché très fort pour elle là-bas aussi. En France aussi, hein, mais je veux dire, en Hollande, le disque a été plus, je veux dire... J'ai l'impression qu'à l'époque, tu vois, à l'époque, même avec une chanson française, tu pouvais faire le tour du monde. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui... C'était, comme avec beaucoup de choses, malheureusement, maintenant, c'était plus ouvert. Ouais. Les esprits étaient plus ouverts, l'époque était plus ouverte, il y avait plus de possibilités qu'on n'a plus maintenant. Et comme je l'ai déjà dit, je le redis dans plusieurs émissions, beaucoup d'artistes maintenant ne font pas des carrières à l'étranger comme tous ces artistes l'ont fait dans les années 60-70. Je pense même que les artistes d'aujourd'hui, mais on en a déjà parlé dans d'autres émissions hein, qu'on a fait ensemble, je pense qu'il n'y aura plus des gens qui feront une carrière complète en étant artiste. Je ne pense plus. Comme des Sardou, des Hallyday, des Claude François, il n'y aura plus tout ça. C'est... Non, parce moi, que le système a changé, la technologie, tout a changé. On prend, on presse, on jette, et ainsi de suite. On va donc se quitter dans quelques minutes avec cette chanson « Harmonie ». Nous, on se retrouve... bientôt. Oui, il y en a déjà une qui est en route. Pour une autre émission. Et il y aura même une petite surprise, on peut déjà l'annoncer, tu vois, on est au début de l'année. Il y aura une petite surprise vers le mois de mai, mais on n'en dit pas plus pour l'instant, puisqu'on aura encore 2-3 émissions d'ici là. On va mettre ça sur le feu, tout doucement, un voilà, petit feu. Voilà, on va faire mijoter. On va faire mijoter ça, mais hein, on en reparlera. Moi, je vous retrouve donc lundi prochain avec un ou une invitée. Je ne sais pas encore, en fait. Je ne sais pas encore qui va accepter l'invitation ou qui va venir. On se quitte donc avec cette chanson Harmonie. Que dire d'autre ? Je n'ai plus rien à vous dire. Encore bonne année, peut-être, à ceux qui ne l'ont pas encore écouté. Oui. Hein ? On est le 29 janvier, donc on peut encore le dire. Hein ? Non ? Et je dirais encore, si vous avez des messages ou des mots... Pour encourager, ben ma page Serge Passion Découverte est ouverte. Ouais. Et ce sera toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre si c'est nécessaire. Et elle se met à jour. Donc ça veut dire que vous pouvez retrouver toutes les émissions de Serge, une à une, hein, qui sont postées là. Il y aura une chaîne YouTube, mais on vous en parlera plus tard. Ainsi qu'un Spotify. Mais on vous en parlera plus tard. Allez, je vous laisse avec Harmonie. C'était la plus belle émission de ma vie. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Au revoir. Harmonie, un peu magique, harmonie, d'une musique.